Le travail de mille générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant des nations comme toutes les gloires des nations. Destinée plus que brave et fière, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Applaudissez pour vous, Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est représentée? Est-ce que les Sénifo sont là? Est-ce que les Koulango sont là? Est-ce que les Baoulés sont là? Est-ce que les Agni, les Atiers? Est-ce que toute la Côte d'Ivoire est représentée? Voilà la belle Côte d'Ivoire! On est ensemble tout à l'heure. Préparez-nous, préparons-nous pour la bataille à venir. Ce sera difficile, ce sera pénible, mais persévérons. Il est juste à la porte, on doit juste le pousser. Est-ce que vous êtes d'accord à venir avec moi afin que nous poussions hors de la Côte d'Ivoire le mal de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un seul problème qui nous divise en Côte d'Ivoire? Un seul problème, un seul individu, un seul être. Voilà un monsieur qui est... Imaginez-vous dans une famille, vous êtes 5 enfants. Parmi les 5, il y a un qui ne parle pas avec les 4 autres. De vous à moi, c'est qui le problème? C'est pas les 4 autres, c'est celui, le seul qui ne parle pas avec les autres. La Côte d'Ivoire a un seul problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Il est juste au bord de, je dis, du trou. Il nous faut juste pousser. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, unissons-nous, oublions nos divergences. Poussons, foutons de la Côte d'Ivoire le cancer. Tramon Ouattara, mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Merci. Merci, merci, merci. Merci, cher frère. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais pourquoi les gens ne sont pas beaucoup? J'ai dit non, ils sont beaucoup. Vous savez pourquoi vous êtes beaucoup? Parce que là-bas, on dit que tout le monde est pour Ouattara. Donc même si un seul Ivoirien sort qui n'est pas pour Ouattara, c'est que l'heure tout le monde là, c'est déjà faux. Donc vous êtes beaucoup. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le PDCI-RDA. Et je voudrais qu'on applaudisse UNG. Et je voudrais des applaudissements pour GPS. Des applaudissements pour COGEP. Des applaudissements pour le Front Populaire Ivoirien FPI. Des applaudissements pour le leader de Mamadou Koulibaly. Ouais, il y a des parties où il faut préciser, quoi, vous voyez, non? Leader de Mamadou Koulibaly, comme pour lui, là aussi, ils ont pris. Vous voyez, non? Vous savez ça, non? Ils ont pris pour lui, là. Voilà. Il faut également saluer les panafricains Kodai. Il faut saluer. Voilà. Et tout à l'heure... L'animateur, je dirais, en parenthèse principale de ce sitting, c'est Dr Boga. Il sera là tout à l'heure, mais avant lui, il aura les représentants de tous les mouvements politiques que je viens de citer. Mesdames et messieurs, nous parlons de Côte d'Ivoire. Je dis souvent, je suis africain parce que je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien parce que je viens de l'une des régions de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Gor. S'il y a mes frères ici, je les salue. Donc, je viens de la région de Gor. Mais quand on arrive dans la région de Gor,
sinon du Gord, on dit, mais tu es du, on dit que tu es de la région du Gord, mais dans la région du Gord, tu viens de quel département? J'ai dit, je viens du département de Kanyoa. On arrive dans le département de Kanyoa. On dit, mais on dit que tu es du département de Kanyoa, mais à Kanyoa, là, tu viens de quel, dans le département, tu viens de quelle sous-préfecture? Et j'apporte encore une précision, je viens de la sous-préfecture de Niapo-Dounoua. On est dans la sous-préfecture de Niapo-Dounoua, quelqu'un me demande encore. Mais dans la sous-préfecture de Niapo-Dounoua, là, tu viens de quel village? Et j'apporte encore une précision, je viens de Godé-Lilié. On arrive à Godé-Lilié, quelqu'un me demande, mon frère, on dit que tu es de Godé-Lilié. Mais à Godé-Lilié, là, tu viens de quelle famille? Et je précise, ma famille d'Omble-Palenois. On arrive dans la famille d'Omble-Palenois, on me demande, mais dans la famille, là, tu viens de quelle maison? Je dis encore le nom de mon grand-père. Est-ce que ça là c'est un problème? Ivoirien, est-ce que ça là c'est un problème? Beaucoup d'Ivoiriens qui s'appellent ici les Koné, levez les mains, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire et qui sont fiers. On est fiers. Voilà, il faut les applaudir. Parce que toi tu dis... Vous n'aimez pas les nordistes, mais qui est nordiste en Côte d'Ivoire? Qui est nordiste? On est nordiste parce qu'on s'appelle Koné? On est nordiste parce qu'on est musulman? Mais on est nordiste en Côte d'Ivoire parce qu'on vient d'une localité du nord de la Côte d'Ivoire. On est originaire de cette localité. Ne gâtez pas mon pays pour rien. Tu ne peux pas t'appeler Koné et tu vas dire que tu es originaire de Kanyoa. Ce n'est pas la paix. Chers Ivoiriens, soyons lucides et luttons pour la liberté de notre pays. Merci. Ce matin, nous ne sommes pas seuls ici. Il s'agit de l'Afrique, il s'agit de la Côte d'Ivoire qui est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le soutien de nos frères sénégalais. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Il faut applaudir les Sénégalais qui sont avec nous. Il faut applaudir les Sénégalais qui sont avec nous. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres Africains qu'on n'a pas annoncés qui sont venus nous soutenir? On n'est pas accepté ça, on n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Est-ce que le Mali est parmi nous? Oui, il faut applaudir le Mali. Il faut applaudir le Mali. Il faut applaudir le Mali. Il faut applaudir le Bénin. Il faut applaudir le Bénin. Il faut applaudir le Cameroun également. Il faut applaudir le Congo. Il faut applaudir toute l'Afrique. Oui, nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes pas en 1990. Il y a des Africains qui ont lutté. Malheureusement, ils sont morts tôt à cause de leur lutte, à cause de leur combat. Mais on a encore des personnalités comme le président Laurent Gbagbo qui ont lutté pour la démocratie en Afrique. Et nous, on doit continuer ce combat. Il faut que la démocratie voie réellement le jour en Afrique. Salut le peuple malien! Salut le peuple malien! Salut le peuple malien! Voilà, nous sommes en Italie, certes, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce combat, c'est pour la Côte d'Ivoire. On va tous se tenir prêts parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va commencer les choses sérieuses. Je vais vous demander de vous mettre en position. Nous avons en Côte d'Ivoire notre hymne national qui dit beaucoup. On ne peut pas se réunir ce matin ici sans chanter l'hymne national. Mesdames et messieurs, je prie chacun de nous de respecter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. 2, 3, 4.